Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Et toujours au rendez-vous pour essayer de comprendre le monde économique qui nous entoure. Aujourd'hui, c'est avec Pierre Sabatier. Pierre Sabatier, merci d'être sur le plateau de Politique et Économie. On va faire votre portrait rapidement. Vous êtes ingénieur agronome, diplômé de l'agro. C'est toujours rue Claude Bernard, on ne sait plus. Toujours, ça va finir par déménager dans quelques temps. Oui, il me semble, Polytechnique et les autres sont déjà partis depuis longtemps. Je vois que vous êtes bien au courant. Alors, oui, vous avez été stratège en finance de marché. Alors, c'est intéressant parce que vous venez de l'agronomie et vous allez vers la finance, vers l'économie. Vous avez fondé un cabinet indépendant de recherche économique et financière, PrimeView. Vous enseignez au Conservatoire national des arts et métiers, à l'agro dans votre école, et à l'Institut d'administration des entreprises. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Agro, la passion du vivant, Chine, Amérique, etc. J'en passe, c'est meilleur. Et vous êtes un iconoclaste. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'on a voulu que vous soyez sur ce plateau. Et parce que il est important de ne pas tenir tout à fait le discours convenu sur les questions de la croissance, des modèles de croissance et des pistes pour sortir de l'impasse dans laquelle il semble que nous sommes. Alors, la croissance. La croissance, eh bien, cher Pierre Sabatier, je suis forcé de vous dire que quand même, la croissance en zone euro, c'est 0,1%. C'est pas très brillant, c'est moins qu'on puisse dire. Pour la France, ce dernier trimestre, moins 0,1, l'Italie, moins 0,3. Bon, alors, où est-elle cette croissance et surtout, comment peut-on la faire revenir et pourquoi est-ce qu'elle est partie? Alors, je suis venu avec ma boule de cristal pour vous annoncer comment on va faire. Non, alors, il y a plusieurs sujets aujourd'hui. Déjà, en fait, on va dire que l'Europe reste spectatrice tout de même d'un duel ou d'un combat, en fait, qui a véritablement émergé, même s'il était sous-jacent depuis longtemps, en fait, mais qui a émergé depuis 2 ans, entre les deux grands de ce monde. Parce que on peut le déplorer, hein, mais malheureusement, aujourd'hui, l'Europe compte les points. Ça fait 20 ans que l'Europe compte les points sur la scène internationale, d'un point de vue notamment économique. Hein, et donc, ce duel, c'est bien, je parle bien entendu, en fait, de la Chine d'un côté et des États-Unis de l'autre. Alors, on ne parlera pas, en fait, de l'actualité récente avec le coronavirus qui met en difficulté encore un peu plus, en fait, la Chine qui souffre déjà depuis quelques trimestres, voire même quelques années, hein, depuis 2 ans. Hein. Alors, attention, en fait, sur les chiffres qui sortent. Je vous donnerai une petite anecdote de Chine. Vous savez que la Chine est un grand pays, 1,4 milliard d'habitants, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale. Mais elle quand même réalise l'exploit de publier, en fait, ses taux de croissance 15 jours après la fin du trimestre. Alors que dans des zones comme les nôtres ou aux États-Unis, où on a, je dirais, une petite historique, petit crédit dans quand même la production statistique, on met 2, 3 mois, un mois, 2 mois, 3 mois, enfin on met un mois pour avoir une première estimation, puis une révision au bout de 2 mois, puis une autre révision au bout de 3 mois, et en général, quelques années après, on révise. Donc quand un pays aussi grand, aussi vaste, aussi hétérogène publie si vite son niveau de croissance, il faut le prendre avec des pincettes. Oui, globalement, en fait, il y a véritablement la Chine traverse des turbulences depuis maintenant. C'est peut-être le parti qui établit le taux de croissance. Oui, tout le monde le sait, en fait. La croissance, elle est faite au début du trimestre, pas à la fin du trimestre. Mais bon, peu importe, c'est le jeu. Et les observateurs, en fait, sérieux, en fait, se laissent pas prendre par rapport à cela. Donc, la réalité, c'est que la Chine souffre depuis maintenant 2 ans. Et c'est moins le coronavirus que véritablement la lutte maintenant ouverte entre les États-Unis et la Chine. Et on peut parler aujourd'hui d'une tentative, en tout cas, d'une vraie révolution. Une révolution, en tout cas une remise en question d'un équilibre stable depuis maintenant quasi plus de 50 ans, 70 ans, on va dire, à savoir le monde était dominé par les États-Unis, par l'économie américaine, qui était la puissance économique, la puissance militaire de référence, mais aussi la puissance normative, c'est elle qui fixait les règles du jeu, du commerce international, et au-delà, et juridique également. Et on sent bien que maintenant, depuis 2-3 ans, et on le voit d'ailleurs lorsqu'on observe ce qui sort des think tanks américains, des grands think tanks américains, c'est qu'une partie de l'intelligence américaine a basculé depuis maintenant 2-3 ans. Et je dirais l'élection de Trump n'est que la résultante de cela. Imaginez qu'un seul homme puisse prendre le pouvoir comme ça, ex nihilo, tout seul aux États-Unis, c'est mal connaître en réalité ce pays, qui est un pays bien plus profond en termes d'organisation et d'institution. Oui, certains en fait en ont fait une thèse. Mais concrètement, il y a véritablement eu un basculement intellectuel qui dit aujourd'hui les États-Unis sont à risque. Et il y a un sujet en fait de sécurité nationale, puisque si on ne fait rien, eh bien d'ici 5 à 10 ans, de manière évidente, la suprématie nous échappera. Et donc, il aurait fallu envisager en fait un passage de témoin naturel entre les Américains et les Chinois, comme si tout ça pouvait se passer sans heurts et sans obstacles. C'est mal connaître les Américains. Et bien sûr, Donald Trump
Sous une forme nouvelle, pour le coup, hein, puisqu'il réinvente une forme de diplomatie internationale, mais le discours, il est très simple. Il est de dire, maintenant, il va falloir, en fait, faire quelque chose pour éviter de perdre le leadership international. Et c'est justement ces difficultés chinoises. Est-ce que c'est vraiment directement un effet Trump ou c'est propre à la Chine intérieurement ? Alors, en fait, j'ai écrit un bouquin qui m'a valu un prix, d'ailleurs, remis par un ministre des Finances à l'époque. Chine-Amérique ? Juste, je crois qu'à l'époque, le prix devait être remis par Cahuzac. Et, bon, il était parti une semaine avant pour des trucs d'histoire. Donc, c'était Cazeneuve à l'époque qui nous avait remis le prix. Pour un livre qui s'appelle La Chine, une bombe à retardement. La Chine, c'est compliqué. Ah oui. La Chine, c'est unique, c'est inédit. C'est une réussite économique qui a été extraordinaire. Extraordinaire, en fait, en termes d'ampleur, moins en termes d'ampleur qu'en termes de vitesse. Il n'existe pas, en fait, dans l'histoire, même l'histoire lointaine, l'émergence d'une puissance aussi rapidement. Et donc, c'est ça qui est marqué. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons qui font que cet essor, en réalité, a été accepté, a été presque voulu par les Occidentaux, en laissant la Chine rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Exactement. Et si il fallait que je donne une image, ce n'est pas si étonnant qu'ils aient réussi, parce que concrètement, alors qu'à l'époque, c'était des nains économiques qui sont devenus aujourd'hui la première puissance manufacturière mondiale, 25 à 30% de la production de biens est fabriquée là-bas, donc c'est véritablement l'atelier du monde, premier exportateur mondial. Comme l'Angleterre mondial, au 19e siècle, quoi. Oui. Alors, si vite, tout simplement, parce que lorsque vous faites rentrer un joueur sur un terrain de football et que vous lui dites vous avez le droit de jouer avec les règles du rugby, forcément, c'est celui qui gagne, de manière automatique. Donc, en gros, il y a eu une forme de dumping multiple et varié, monétaire, social, environnemental, tout ce qu'on veut. Et donc, on a, en gros, la Chine a préempté et ça explique la réussite des Chinois. Pourquoi ? Alors, c'est intéressant de revenir parce que finalement, ça éclaire justement les tensions actuelles entre États-Unis et Chine, tout simplement parce que pendant un temps, eh bien, nous, et là je mets les Européens dans la même barque que les Américains, nous avons eu intérêt à faire rentrer la Chine dans le jeu du commerce international parce que nos entreprises ont pu, en délocalisant leur lieu de production, eh bien, simplement augmenter leur taux de marge puisque vous produisiez à moindre coût et d'une certaine manière, il ne faut pas mettre tout sur le dos des entreprises. Les ménages étaient très contents parce que dans le même coût, il y avait relativement baisse des prix des biens consommés, hein, les magnétoscopes électroménagers, etc., tout ce qui est maintenant aujourd'hui fait le quotidien des Français, des Européens, des Américains. Et donc tout ça était un jeu tout à fait positif pour les entreprises occidentales, pour les ménages occidentaux. – Est-ce que quelque part on n'importe pas de la déflation justement avec ces délocalisations ?– Oula. Ouf. La mission est longue, j'espère, parce que là, pour le coup, on rentre dans le détail, il va falloir... Donc, je termine en disant que le troisième acteur, hein, les entreprises, les ménages, il en reste un, c'est les politiques. Globalement, que les entreprises sont contentes, les ménages sont contents, les politiques sont contents. Donc, en fait, rien ne s'est élevé. Sauf que 15 ans plus tard, lorsque vous avez tout délocalisé, eh bien, dans un premier temps, vous importez de la déflation, mais la réalité, c'est que c'est tout l'inverse. Une fois que vous avez délocalisé, vous mettez et que vous consommez des biens qui sont produits ailleurs. Vous, si vous n'avez pas d'inflation, et je reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait, la baisse de la croissance est une conséquence, tout comme la baisse de l'inflation est une conséquence de ce que nous devenons en réalité. Hein, ce n'est pas une cause, ce n'est pas des erreurs politiques, c'est en fait nos propres transformations qui expliquent tout ça. Mais je dirais qu'une fois que vous avez transféré les unités de production, eh bien vous mettez à importer le régime d'inflation de notre pays, qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas au même stade de développement que nous. Donc en réalité, c'est très risqué. Parce que si par malheur, alors pour l'instant, ça ne s'est pas produit, mais si... par malheur, nous nous enfermons finalement dans de la déflation chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'augmentation des revenus. Il est peu probable que les salaires augmentent dans les années qui viennent. Tout comme il était peu probable qu'il augmente au cours des années passées. Et qu'en Chine, vous avez en fait de l'inflation, et bien vous remettez... Mais on va importer de l'inflation. Et bien là, vous avez finalement, dans un premier temps, importé de la déflation, tout le monde était content. Mais dans un second temps, vous avez rendu vulnérable votre économie au régime d'inflation des autres. Et donc finalement... c'est un peu, voilà, j'ai donné, puis ensuite je reprends, et voilà. Donc ça, c'est un vrai risque, mais au-delà, donc ça, c'était un peu les conséquences qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est spectatrice d'un enjeu bien plus majeur que ce qu'on veut bien faire dire aux journaux, ou d'une guerre commerciale qui serait ponctuelle. Elle est clairement structurelle, elle correspond à une tentative de déstabilisation de la Chine de la part des États-Unis, car c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, presque le seul moyen pour qu'elle ne perde pas la main sur... Oui. Pas que l'économie mondiale, sur, j'irais, qu'elle perd, entre guillemets, son leadership international. Mais quand vous dites que l'Europe est témoin, spectatrice, c'est pas un spectateur engagé, pour parler comme Raymond Aron, mais c'est un spectateur un petit peu, pas indifférent, mais marginalisé, non ? Est-ce que c'est pas du fait que c'est un petit peu la passoire entre deux blocs qui, quand même, pratiquent le protectionnisme ? Oui, bien sûr. Alors, s'il fallait résumer les choses, c'est facile, c'est... Donc effectivement, deux blocs qui... En gros, c'est même pas le protectionnisme. Le protectionnisme est un outil. La réalité, c'est qu'on a deux blocs qui défendent leurs intérêts. C'est-à-dire qui sont des purs pragmatiques.
Alors, avec des visions différentes, hein, une vision, en fait, je dirais, d'étape de planification d'un côté, une vision pragmatique de marché, mais qui n'a finalement les atours du marché, c'est pour de la com ou du marketing, mais qui n'hésite pas à être protectionniste, à ériger, en fait, des barrières douanières ou sous le couvert, en fait, d'une sécurité nationale, de faire du dumping sur un secteur d'activité plutôt qu'un autre. Mais, en fait, c'est moins le sujet du protectionnisme que celui du pragmatisme, celui des objectifs. Il est vrai qu'on est face à deux puissances qui sont extrêmement pragmatiques. Donc, leur intérêt majeur, c'est défendre leurs intérêts. L'Europe ne le serait pas, alors. Non, mais nous sommes une zone politique. Dînons ensemble ce soir, tiens. Dînons ensemble ce soir et vous verrez, on parlera de quoi ? D'économie, de business ou de politique ? Mais de politique. Aller aux États-Unis en pleine campagne électorale, la une des journaux, en fait, en une des journaux, même en temps d'élection présidentielle, eh bien, on ne parle pas de politique, on parle plutôt de business. Et en fait, c'est ça, et j'irais... C'est culturel, alors. C'est quasi culturel, et il est vrai que les Européens auraient probablement tendance à voir le monde... non tel qu'il le projette, mais tel qu'il est, et peut-être définir une mission plus précise qui est de dire que nous sommes dans un monde en compétition. Voilà, pas en coopération, en compétition. Tous les acteurs, en fait, jouent une compétition mondiale, encore plus lorsqu'il y a moins de croissance. Lorsque la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, eh bien la compétition s'exacerbe. Eh bien, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Et donc, le rôle des autorités, c'est s'adapter, justement, aux conditions du jeu qui est en train de se mettre en place. Et donc, les Européens, effectivement, devraient essayer, en fait, de défendre au mieux leurs intérêts. – Sur les taux, Pierre Sabatier, je vous ai écouté dans une interview, vous disiez que la décennie, le système de la décennie 2010 de taux bas ne fonctionne plus, et en même temps, vous affirmez que ces taux bas vont avoir la vie belle encore au moins pendant 10 ans, jusqu'où ça peut tenir. – On va continuer la planche à billets, quoi. – Alors, il y a deux sujets en un. Donc là, vous évoquez en réalité, alors on va revenir sur votre interrogation initiale, et c'est comme ça que j'y répondrai. Vous savez, on ne répond jamais une question directement. Hein. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions, mais pour dire ce que j'étais venu vous dire. Voilà, exactement. N'est-ce pas, hein. Non, déjà, en fait, il faut le relier à la croissance et comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents, en fait, à ce que nous sommes en train de vivre. La notion de taux d'intérêt bas, beaucoup de gens vous disent, c'est parce que politique monétaire, c'est parce que banque centrale, c'est parce qu'impression… – On a tendance à penser, quand même. – Eh bien, je me porte en faux par rapport, en fait, à cette conviction-là. Elle peut exacerber les choses, mais en réalité, le sujet n'est pas là. Ça y est, pas de bonne formule mathématique qui dit le bon niveau de taux. Le bon niveau de taux d'intérêt, c'est pas scientifique. Le bon niveau de taux d'intérêt, ça doit, consister à répondre à une seule question. Est-ce que si les taux montent, en gros, si les conditions de financement deviennent moins favorables, est-ce que les ménages… Français, Européens, Américains, continueront à consommer autant. Est-ce que les ménages ou entreprises européens, français, américains continueront à investir autant? La réponse, selon nous, est non. Non. Et clairement non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque hausse des taux a un contenu récessionniste qui les ramène au tapis. Nous ne sommes pas en capacité, nos agents privés, nos ménages, nos entreprises et même l'État, au regard d'un niveau de dette qui sont les leurs, ne sont pas en capacité de supporter des taux d'intérêt plus élevés. Donc imaginez à se faire plaisir que les taux puissent remonter, c'est impossible. Ça peut remonter quelques mois, mais vous verrez, et comme c'est le cas déjà depuis 10 ans, à chaque hausse des taux, eh bien les taux reviendront encore plus bas, tout simplement parce que nous ne sommes pas en capacité, nous sommes trop fragiles. Ben – c'est ce qui s'est passé avec Jérôme Powell, au mois de décembre, il y a 18. – 2018, effectivement. Il a renoncé à faire légèrement remonter les taux et on est reparti sur le quantitative easing. Alors, vous dites que c'est bon. Jérôme Powell, arrive ou a un levier sur les taux courts, mais pas sur les taux longs. Oui. Et en fait, ce qui intéresse les gens, ce sont les taux longs. Vous ne financez pas à 3 mois quand vous êtes un ménage. Vous financez en fait à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et la réalité, c'est que même durant ce cycle, alors on ne va pas rentrer probablement dans les détails, mais même dans la tentative des Américains d'avoir des taux directeurs plus élevés, eh bien les taux longs n'ont pas réagi. Tout simplement parce qu'en fait, les agents privés ne sont pas en capacité de les supporter. Oui. Par contre, là où les politiques monétaires actuelles influent, de manière un peu contre-intuitive, c'est moins sur les niveaux de taux d'intérêt qui resteront bas quoi qu'il en soit, parce que nous ne pouvons pas supporter des taux plus élevés, mais sur tout le reste. Et en réalité, la politique monétaire, elle a surtout administré les prix de quoi? Eh bien, des marchés financiers, des marchés actions, des marchés immobiliers, de tout le reste. Et donc, vous avez fait monter le prix des actifs financiers dans leur globalité, moins des obligations, c'est-à-dire des taux d'intérêt souverains que le reste, mais vous avez fait monter tous les autres actifs de manière administrative. C'est quasi, on vit dans un monde quasi où les prix sont administrés. Malheureusement, on a de l'inflation dans les actifs financiers, on n'a aucune inflation dans l'économie réelle. – Alors voilà, c'est ça. Voilà, inflation dans l'immobilier, qui devrait être intégré au taux d'inflation, sauf que ce n'est pas de la consommation, mais de l'investissement. – Absolument. – Alors, mais je vois quand même que le T-bond à 10 ans s'est élevé vendredi dernier à 1,53%, soit un taux inférieur au T-bond à 3 mois, 1,55%.
Donc, c'est ce que je vous évoquais. Voilà, c'est ça. Vous pouvez monter autant que vous voulez en fait vos taux courts, ça ne fera pas monter les taux longs. Parce que les taux longs, ce n'est pas un prix administré, c'est un prix de marché, c'est l'offre et la demande. Et dans le monde dans lequel on vit, globalement, nous ne pouvons pas supporter des taux plus élevés. Et faisant raisonnement par l'absurde, et on l'a déjà vu, et on l'a déjà vécu, c'est amusant, parce que personne n'en a parlé en 2018, les taux longs sont un peu montés. On était passé à l'époque de 1,5 jusqu'à 3,2. Exact. D'ailleurs, c'est amusant, les observateurs à l'époque vous disaient, puisqu'on est passé de 1,5 à 3,2, on montera à 4. Eh bien, la réalité, c'est que c'était impossible, tout simplement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est monté à 3,2, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Personne n'en a parlé, mais le marché de l'immobilier s'est arrêté, les prix de l'immobilier ont largement chuté, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jerome Powell, le président de la Banque Centrale Américaine, a changé son fusil d'épaule, parce que la réalité, fortement c'est que ça a commencé… – Oui, bien sûr, mais tout ça est un jeu de dupes. Qui croit aujourd'hui sur notre planète qu'une banque centrale est indépendante du pouvoir politique ? Personne. Et d'ailleurs, c'est vous savez, l'indépendance des banques centrales, elle n'est possible que lorsque tout va bien. Oui. C'est-à-dire que dès que tout va mal, il est normal que le pouvoir monétaire, en fait, soit adossé au pouvoir budgétaire. – Donc, pour conclure cette première partie, il est clair que les taux bas vont continuer. Nous n'en sommes pas sortis. – Parce que, en fait, les niveaux de croissance qu'on peut espérer demain sont faibles, voire encore plus faibles que ceux qu'on vit aujourd'hui. – Que j'ai cité tout à l'heure. Ah, oui. Pause. Alors, politique et économie, mais économie surtout, avec Pierre Sabatier. Alors, Pierre Sabatier, vous nous avez laissé à la fin de la première partie sur l'idée qu'on ne va pas sortir des taux d'intérêt très bas. Par contre, vous avez laissé entendre que les taux de croissance pourraient être encore plus faibles à venir par rapport à ceux que j'ai énoncés au début. Alors, ça dépend dans quel pays. Mais il faut comprendre que tout à l'heure, on a évoqué une première révolution, en tout cas une première remise en question de nos modèles d'antan. C'est déjà une question, en fait, de leadership international. La deuxième, que les gens comprennent mal, qui est probablement à l'origine à la fois de la faiblesse des taux de croissance actuels, mais aussi en fait de l'obsolescence des modèles qu'on avait conçus il y a 30 ou 40 ans. Donc la question qu'il faut se poser, c'est sommes-nous en train de vivre une crise ? Alors, premier élément de réponse, une crise qui dure déjà depuis 10 ans, ça n'a pas vraiment l'air d'une crise, parce qu'une crise, c'est, normalement, c'est momentané. – Le vrai sens du mot crise en grec, c'est moment décisif. – Absolument, donc c'est momentané, et une fois qu'elle est passée, on va dire que les pratiques d'antan, en fait, redeviennent des bonnes pratiques. La problématique aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le monde qui… tel qu'il arrive, est marqué par une révolution profonde que les gens n'ont pas forcément toujours bien compris. Et la révolution profonde, c'est d'abord une révolution démographique dans l'ensemble de nos pays riches. Alors, je ne reviendrai pas sur la notion de démographie mondiale, qui est un sujet probablement de flux migratoire à long terme assez colossal, qui aura des conséquences géopolitiques, mais c'est un sujet qui est quasi exclusivement africain. Lorsqu'on regarde les choses dans le détail, en réalité, ce seul sujet n'est quasi aujourd'hui plus qu'africain. Quasi tous les pays du monde, un compris, ont fait leur transition démographique. Alors, il y a encore une augmentation de la population mondiale, mais je veux dire, le flux entrant, en fait, est proche de deux. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Il y a une inertie. Absolument. Mais la révolution Il n'y a que l'Afrique, mais c'est une problématique, ce serait une problématique colossale, mais c'est pas celle importante. Que vous voulez, vous non, parce que ce n'est pas celle qui interagit tout de suite, en fait, avec vous voulez modèle. Parler du vieillissement européen. Absolument. Et occidental. Pas européen, vieillissement de l'ensemble des pays riches. Oui. Donc, bien sûr, le premier à l'avoir vécu, c'est le Japon. Oui. L'Europe en second, mais les pays anglo-saxons suivent dans la décennie qui vient. Alors, pourquoi on vous parle de vieillissement? Tout simplement parce qu'il faut comprendre, là aussi, on parle d'économie. L'économie, ce n'est pas une science, enfin, ce n'est pas compliqué. L'économie, c'est simplement rien d'autre que l'agrégation de nos comportements. Nos comportements de consommateurs, nos comportements d'entrepreneurs et nos comportements en fait, de l'agent public qui va être l'État, quand on va résumer comme cela. Et en fait, la démographie est importante. Pourquoi ? Parce que la richesse qu'on crée, n'importe où, ça correspond essentiellement à votre comportement de consommateur. Pour les deux tiers. Vous ajoutez à cela votre comportement d'investisseur, j'allais dire, en tant que ménage ou entreprise, vous avez 80-90% du total. Donc alors, on peut parler beaucoup d'exportation sur la contribution à la croissance, mais la réalité, c'est que l'essentiel de la richesse qu'on crée dans tous les pays riches, elle repose sur nous. Donc si vous voulez faire de la prospective, si vous voulez avoir une idée en fait, des taux de croissance à venir, il faut être en capacité de savoir comment vont évoluer la consommation globale des ménages dans chacun de ces pays riches. Et c'est là où la démographie doit être comprise. Oui. C'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où vous vivez dans un pays dans lequel, en fait, vous n'êtes pas dans une dynamique de survie. Mais globalement, vous avez des revenus qui vous permettent, en fait, d'asseoir votre consommation, soit sur la matérialisation d'un besoin ou d'une envie. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'un consommateur, qu'il soit français, américain, japonais, allemand, espagnol, italien, se comporte globalement de la même manière en fonction de son âge.
20 à 45 ans, vous consommez de plus en plus. 55 ans, on arrête à peu près, on diminue. 45-55 ans, c'est là où vous êtes un super consommateur. 55-65 ans, qui était l'âge dans lequel on était jusqu'à maintenant, et on va le quitter. 55-65 ans, âge intéressant, parce que vous êtes toujours sur des sommets de revenus, mais les gens consomment moins ou commencent à consommer moins et vont épargner plus. Épargnent. Tout simplement parce que la cessation d'activité se rapproche et les gens se préparent. C'est naturel. D'accord. Puis après 65 ans, vous consommez beaucoup moins. Et c'est aussi lié en fait, au fait que ben, globalement, vous êtes déjà pas mal servi hein, en termes de panier de consommation, mais aussi, en fait, globalement, vous avez des revenus qui sont en baisse. Voilà, donc le 65 ans, c'est le temps de la désépargne. Alors, quand vous savez cela, eh ben, tout simplement, il faut comprendre ce que ça signifie, la révolution démographique qui vient vers nous, à savoir l'augmentation… – Plus on est vieux, en fait, moins on consommera. Ah ben, au niveau global, ben, le potentiel de consommation des ménages a tendance à décliner naturellement. Et alors, c'est traître, parce qu'en réalité, vous passez de l'âge des 45-55 ans, là où vous consommez comme des fous, donc où les baby-boomers, en fait, étaient la classe d'âge surnuméraire en nombre dans nos sociétés, donc qui ont porté, en fait, les niveaux de croissance à des niveaux qui sont extrêmement élevés, et d'un coup, passe aux 55-65 ans, et plus tard, et 10 ans plus tard, aux plus de 65. Eh bien, en fait, nous sommes entre les 55-65 et les plus de 65. Et donc, la réalité, c'est que la disparition de cette croissance vient tout simplement du fait de nos propres changements. Au niveau global, au niveau agrégé, au niveau collectif, notre pyramide des âges nous amène à avoir un potentiel d'augmentation de la consommation des ménages qui a tendance à être beaucoup moins puissant que par le passé, voire à décliner pour certains pays. Là, on passe au Japon, bien sûr, mais aussi à l'Allemagne, à l'Italie. Oui. L'Espagne va suivre, d'ailleurs, elle va vivre une décennie très compliquée, l'Espagne, sur ce plan. La France est un peu mieux dotée, mais tout de même, parlons chiffres, hein. Aujourd'hui, la cohorte d'âge des 20-65 ans en France, 20-65, c'est les gens potentiellement au travail, 36 millions de personnes. En 2030, c'est demain, 36 millions de personnes. 36. Les plus de 65 ans, 12 millions aujourd'hui, 16 millions demain. 16 millions en 2030. La seule cohorte d'âge qui augmente, c'est celle des plus de 65 ans. Donc vous, et alors même que l'ADN démographique des Français est plutôt pas trop mal positionné, juste derrière les pays anglo-saxons, mais mieux que nos voisins allemands, italiens, espagnols et bien sûr japonais. – On n'était pas loin du taux de remplacement. – Pas loin, mais attention, vous savez qu'on touche en fait aux politiques de soutien de natalité, et c'est ce qu'on disait déjà à l'époque, c'est une énorme erreur. Hollande n'en a pas fait finalement beaucoup d'un point de vue économique, mais il en a commis une, ce qui est bien celle-ci, c'est de taper en fait sur les politiques de soutien de la natalité, parce qu'à l'époque, on disait qu'il ne faut surtout pas arbitrer en défaveur de cette politique-là, parce qu'imaginer que les Français font plus d'enfants comme ça, eh bien c'était faux. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on l'a fait, eh bien en fait on est passé en dessous de 2, on est à 1,9. Exactement. Vous verrez qu'on convergera vers les autres, parce que tout le monde est entre un 3 et un 5. – Conclusion, une politique familiale a une efficacité. – Bien sûr. Bon. Alors à partir du moment où elle est constante, et qu'elle fait sortir du calcul économique le fait d'avoir des enfants. Oui. Il faut comprendre dans des sociétés modernes où les deux parents souvent travaillent, eh bien, si vous... Déjà, c'est plus compliqué d'avoir des enfants qu'avant, vous êtes plus urbanisé, plus concentré, l'espace à disposition est plus limité, donc vous comprenez que les équilibres sont physiquement moins faciles, donc naturellement, les gens vont avoir moins d'enfants. Si vous ajoutez à cela une contrainte économique, à savoir si j'en fais, est-ce que je vais avoir les moyens d'eux, eh bien là, ça pose problème. Et la raison pour laquelle, en fait, il ne fallait pas toucher aux politiques de soutien familiaux, on va dire, en France, c'est parce que, bon an, mal an, en 40 ans, on avait réussi à presque faire sortir, en fait, ce sujet d'avoir des enfants du calcul économique. Et on l'a fait re-rentrer dans le champ de l'économie, vous verrez que naturellement, les gens vont arbitrer. – Y compris sur le plan fiscal, d'ailleurs, parce qu'on a confondu politique fiscale et politique sociale, enfin politique nataliste. Et on a taxé les familles à revenus élevés qui accueillaient des enfants. Bon, c'était une erreur. Bon, on sait bien que cette confusion est faite de... En tout cas, ça fonctionnait, ça fonctionne moins. Donc on peut s'interroger, a priori, lorsqu'on change les choses. Au vieillissement des Français. Donc, si le nombre des Français le nombre des vieillards, des personnes âgées, détermine... Vous êtes dur à 66 ans, on n'est pas vieillard. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Permettez à un baby-boomer d'aller dans votre sens, vous qui n'êtes ni l'un ni l'autre des baby-boomers. Absolument. Bon. Mais quand même, ça veut dire donc que la seule explication à l'anémie de notre croissance, c'est notre vieillissement. – Est-ce que la démondialisation, qui est déjà un petit peu enclenchée, ne va pas renforcer cette croissance basse ?– Alors déjà, je trouve que vous avancez vite tout de même. Dire que, alors, dans les esprits, la démondialisation est avancée, mais lorsqu'on regarde en fait l'évolution du commerce mondial en volume, il s'est stabilisé, il a arrêté en fait d'augmenter. Il s'est pas, en fait, il n'a pas véritablement reculé jusqu'à maintenant. Non. La question fondamentale, c'est moins celle-ci que d'acter sous forme de diagnostic que, en fait, notre potentiel de croissance, ce qu'on peut espérer en termes d'augmentation de la taille du gâteau à se partager
collectivement, n'augmentera plus comme avant, beaucoup moins vite que par le passé. Et la problématique, c'est quoi? C'est que nous avons construit des modèles de société, des modèles de développement, que ça soit du point de vue de l'entreprise ou d'un point de vue de la société, qui étaient adaptés, qui étaient adossés et qui fonctionnaient très bien d'ailleurs, dans un monde dans lequel la croissance était élevée. À partir du moment où vous actez le fait que la croissance ne sera plus si élevée, pour certains, elle sera légèrement positive, pour d'autres, elle sera proche de zéro, pour certains, elle sera négative. À partir de là, malheureusement, vous marquez l'obsolescence des modèles qui ont été des modèles pratiqués par le passé. On ne peut plus les réadapter sur la nouveauté, sur cette évolution. La problématique, c'est que c'est intéressant ce que vous dites, c'est parce que c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'on peut adapter les modèles qu'on a construits il y a 30 ou 40 ans, ou est-ce que les écarts aujourd'hui sont tels qu'il n'est plus possible de les adapter, il faut les recréer? Eh bien, notre point de vue, c'est que c'est la deuxième solution. Il faut les recréer. En fait, il faut les recréer parce qu'en fait, vous le comprenez vite, une politique, en fait, une politique sociale, elle a été déterminée sur quelle base? Sur le fait que naturellement, les recettes fiscales augmentaient chaque année, tout simplement parce qu'on regarde en fait l'évolution du taux de croissance. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus d'augmentation du taux de croissance, vous n'aurez plus augmentation des recettes fiscales. Donc, sauf augmenter les taux de cotisation, et vous comprenez bien qu'on ne peut plus le faire parce qu'on est déjà au taquet. Exactement. Ouais. Et donc, ça marque l'obsolescence de ces modèles. Donc, c'est là, en fait, où vous devez recréer. Mais ce qui est vrai pour la politique globale est aussi vrai pour la politique de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pendant 30 ou 40 ans, les entreprises qui marchaient étaient nos entreprises traditionnelles, qui globalement, dans un monde en croissance élevée, n'avaient pas à se concentrer sur leur clientèle historique, mais pouvaient se concentrer sur les nouveaux clients qui arrivaient chaque année, plus qu'en nombre. Et à partir du moment où vous n'avez plus de nouveaux clients, globalement, vous avez en fait une taille du gâteau à se partager qui est stable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pareil, les entreprises doivent refaire évoluer en fait leur modèle de développement. Et vont plutôt faire quoi? Essayer de se piquer les parts de marché les unes avec les autres. Et on rentre dans un vaste monde de consolidation. Et ça, ce n'est pas anecdotique, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est à relier avec les révolutions numériques actuelles. Alors justement, il faudra parler de la révolution numérique. Mm-hmm. Mais auparavant, puisqu'on parle d'obsolescence des modèles de croissance, là aussi, alors les politiques budgétaires, enfin l'intervention de l'État est complètement obsolète. D'une part, parce qu'il a ses limites budgétaires, et la dette, et le déficit. Mais parce qu'il semble bien que, appelons les choses par leur nom, la politique keynésienne, par exemple, ne fonctionne pas. Alors, déjà, enfin, en Europe, je trouve ça quand même gonflé, en fait, de dire qu'elle ne fonctionne pas, puisqu'on n'en fait pas. Tout de même. Voilà. Parce que la seule zone du monde qui n'a pas de déficit budgétaire, quasiment, c'est l'Europe. Oui. C'est l'Europe au niveau agrégé. La France, un petit peu, mais encore, c'est rien par rapport au déficit japonais. Vous savez, le déficit japonais depuis 20 ans, 25 ans, c'est entre 5 et 10 % du PIB par an. Ouais. Par an. Donc ça, c'est une vraie politique keynésienne. Alors là, je peux vous dire là-bas, non, ça ne fonctionne pas. Parce que en 25 ans, en fait, il n'y a pas de croissance. Aux États-Unis, on est à plus de 5 %. Donc globalement, c'est du keynésianisme. Là-bas, ça fonctionne un peu. Bon, ils piquent des paires de marché au reste du monde. Bon, à la limite. Bon, dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas cela. En fait, la question fondamentale, quand vous parlez de keynésianisme, ça m'amuse toujours, en fait. C'est finalement, on se renvoie à des vieilles écoles. Oui. En fait, ce qu'on évoque là, c'est que le monde est en train de changer fondamentalement. Et les solutions qu'on veut plaquer sur ce changement sont finalement des vieilles recettes. La réalité, c'est que à travers la révolution démographique qu'on doit vivre, la révolution de leadership que nous vivons, la révolution technologique que nous, pour certains subissons, pour d'autres, en fait, dont nous profitons, nous amène aussi à autre chose. C'est une révolution intellectuelle. On ne peut plus s'endetter éternellement. La notion de dette n'est... Alors, je ne vais pas me faire des copains, mais ce n'est pas grave. La notion de dette n'est pas le sujet central. En fait, faut être concret, c'est pas l'argent qui manque. Ceux qui vous disent l'argent manque, la dette publique, c'est pas possible. C'est pas vrai. Et même pour la dette privée, c'est pas vrai tant que les taux d'intérêt sont bas. Nous avons dépassé donc en dette le PIB français. Oui, 100 points de PIB. Oui, mais est-ce que vous connaissez le niveau de dette publique des Japonais aujourd'hui? Oui, 225%. Voilà, 225 ou 230. Vous savez, ils sont passés de 60 points de PIB en 1990 à 230% de la richesse créée aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas bien. C'est anémion. On pourra en discuter. Mais non, la problématique des Japonais n'est pas celle, en fait, de leur dette publique. La problématique des Japonais, c'est qu'ils n'ont pas acté que les changements, leurs propres changements, amenaient à avoir des niveaux de croissance qui devaient les pousser à réinventer leur modèle. C'est ça qu'ils ont refusé de faire. Et donc, la notion, en fait, de financement, c'est toujours une... Le vrai sujet n'est pas une question, en fait, de financement, de là où est l'argent. Le vrai sujet, c'est de pourquoi faire. Non, le vous dites qu'on n'a pas besoin de. Enfin, que la dette, c'est pas important, mais la dette, c'est pas important si on a de la croissance. Or là, on n'a plus de croissance. Alors, on est même. La dette n'est pas importante, la dette n'est pas. La dette n'est pas importante. Pourquoi elle n'est pas importante? Parce qu'en réalité, en fait, vous savez sur quelle légitimité repose le politique? Sur le pouvoir de battre monnaie. Donc, non, mais attendez, là vous allez me parler de la construction européenne qui est bancale, mais c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Et effectivement, ça posera en fait des problématiques. Mais il faut bien comprendre
que la vraie légitimité du politique, elle est double. C'est le pouvoir de changer les règles du jeu quand il le souhaite et le pouvoir de battre monnaie. Battre monnaie. Et d'ailleurs, la France existe grâce à cela. Le royaume de France a étouffé les restes à travers le pouvoir de battre monnaie. Donc, mais c'est consubstantiel. Voilà, c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure l'indépendance des banques centrales. Non, c'est impossible. Parce qu'en réalité, il y a deux armes, deux leviers qui permettent justement d'implémenter des politiques. C'est le fait de... Le seul agent sur un territoire qui peut dire quoi qu'il se passe, quel que soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vous rembourserai. Le seul, c'est l'État. Si vous faites comme lui, vous finirez en prison. Parce que c'est le seul qui a légalement le droit de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et vous les donner pour vous financer. C'est pour ça que quand je dis que ce n'est pas le sujet, le sujet c'est... Donc, il a le monopole du faux monnayage. Absolument. Oui, d'une certaine manière. Donc, entre guillemets, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème de demain. Le problème d'aujourd'hui, c'est plutôt se dire comment on fait pour éviter, entre guillemets, le déficit public. Et ça, pour le coup, c'est là où on va vers, en fait, la recréation des modèles de développement qui sous-tendent, en fait, nos économies. Si nous gardons les mêmes modèles qui ne fonctionnent que s'il y a de la croissance et que vous souscrivez à ce que j'évoquais jusque-là, à savoir qu'il n'y en aura plus, eh bien, concrètement, vous allez au-devant de gros dégâts. Parce que votre seule solution, ça sera justement de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et les donner à l'État pour qu'il continue, en fait, de survivre. Mais à la fin des fins, vous savez comment ça se termine? Parce que le Japon, ça se terminera. Pas bien. Alors c'est pour ça que je vous dis, attention, nous sommes les Japonais d'il y a 20 ans, donc on a le temps de faire des erreurs. On a le temps d'aller à 225 ou 230. Probablement pas, mais je veux dire, il faut bien comprendre qu'à la fin, ça se termine par quoi? Le billet de banque que vous avez dans votre poche, c'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre vous qui le possédez et celui qui va l'accepter, contre quoi il va vous livrer, par exemple, votre repas du midi. Voilà. La problématique, c'est quand vous faites ce type de politique monétaire, eh bien un jour, et malheureusement on ne peut jamais savoir quand, parce que c'est à vous que ça appartient, hein, le quand, c'est un jour, je ne sais pas, mais vous qui l'acceptiez jusque-là, eh bien vous allez me dire, votre billet il est un peu trop neuf, j'en veux pas un, j'en veux deux. Et le j'en veux deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire la hyperinflation, mais hyperinflation d'origine monétaire, c'est une crise classique de fuite devant la monnaie interne qui amène en fait à l'hyperinflation et vous allez payer votre baguette avec des brouettes. Et Pierre Sabatier, vous nous dites que la dette n'est pas un problème, sauf que vous nous dites par ailleurs que l'endettement des Américains n'est pas leur problème, mais le nôtre. Donc, est-ce que l'endettement, ça dépend de qui le crée en fait? Alors évidemment, non, les Américains… Par le dollar. Alors évidemment, pourquoi? Parce qu'effectivement, le dollar reste la monnaie de référence. Je sais bien que beaucoup soit espèrent, soit imaginent en fait que le dollar en fait va, entre guillemets, ne plus être la monnaie de référence. Mais aujourd'hui, ça le reste. Et le leadership international n'a toujours pas changé de main. Il reste encore américain. Et donc, le yuan n'a aucune chance pour l'instant. Pour l'instant. Je ne dis pas. C'est pour ça que quand je disais en fait la dette n'est pas un sujet, ce n'est pas le sujet du jour. Celui, en fait, du lendemain ou d'après-demain. Mais ce n'est pas le sujet majeur. Pour les États-Unis, en fait, la problématique est encore plus cynique, faut-il dire, puisque eux font du déficit budgétaire. Bah, tout va, 5% de déficit public, public cette année. Et en plus, ils sont dépendants des autres en termes d'excédent courant. Leurs entreprises exportent moins qu'elles n'importent. C'est-à-dire qu'en gros, pour finir leur fin de mois, les Américains ont besoin d'argent. Il y a deux manières. Soit vous préemptez l'argent chez les gens, chez les Américains, donc en gros, en limitant en fait le niveau d'investissement par rapport au niveau d'épargne, vous allez ponctionner cet argent-là pour financer soit le déficit public et le déficit privé. Soit vous allez voir le reste du monde en disant « Eh bien, j'ai besoin d'argent pour finir mes fins de mois », c'est ce qui se passe. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent voilà, le dollar, c'est notre monnaie et votre problème. Et donc finalement, en fait, les émissions, les déficits américains viennent préempter l'épargne du reste du monde, européen également. Oui, mais parce que aussi… ça nous empêche de profiter finalement d'une épargne qui pourrait être à disposition des acteurs européens. Voilà, parce que ça reste la monnaie de référence, parce que dans un monde incertain dans lequel nous vivons, eh bien, je suis désolé, mais l'obligation américaine, même s'ils sont déficitaires en termes publics et en termes privés, eh bien, concrètement, vous êtes face à une monnaie de référence avec un pouvoir politique qui est clairement adossé à un pouvoir monétaire, ce qui n'est pas le cas en Europe. En plus, avec une puissance militaire et une puissance normative, donc vous comprenez bien que dès… Une zone monétaire optimale. Mais le meilleur exemple, c'est que la dernière crise 2007-2009, elle vient d'où? Elle vient des États-Unis. L'épicentre du CIM, les États-Unis, qu'a fait le dollar? Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Et deux ans ou trois ans plus tard, en fait, ils étaient en fait sur le devant de la scène et tout le monde. En fait, ils ont exporté en fait leurs difficultés. Oui. Plus ça va mal, plus finalement la zone US. C'est très injuste, hein, c'est comme ça. Oui, mais c'est ce qu'ils avaient déjà fait. Ils avaient fait ça juste après Carter.
le plan Volcker, était ça. Il s'agissait de transférer les problèmes inflationnistes à l'extérieur en profitant du privilège du dollar, en siphonnant une partie de l'épargne mondiale. Mais alors, justement, vous avez évoqué les taux d'intérêt très très bas. Sauf qu'aux États-Unis, on sert encore des intérêts positifs. Donc c'est l'effet de siphonnage est encore plus marqué de ce fait, parce que ça attire évidemment les capitaux qui espèrent se faire rémunérer aux États-Unis. Bon, mais alors, donc nous ne sommes pas prêts de sortir du quantitative easing, nous ne sommes pas prêts de sortir des taux de croissance très faibles, nous ne sommes pas prêts de sortir de la domination du dollar. Alors en troisième partie, on va essayer quand même de voir comment on peut en sortir ou qu'est-ce qui s'annonce pour les années qui viennent, les pistes pour un nouveau modèle. Alors avec Pierre Sabatier, des pistes pour un nouveau modèle, quelles orientations peut-on donner à nos économies compte tenu de ce que nous avons constaté? Il y a une solution, il y a des solutions, Pierre Sabatier. Ah bah, heureusement. Heureusement. Voilà, nous ne sommes pas là, la fatalité n'est pas là à attendre que le coup prétende. Non, non, la réalité c'est que notre lecture des choses, c'est que les tensions que nous vivons aujourd'hui, on sent bien des tensions géopolitiques, des tensions politiques, des tensions sociales, des tensions d'ailleurs environnementales également. Oui, en fait, amène en réalité, enfin nous, pour nous ce n'est pas quelque chose d'origine conjoncturelle. C'est véritablement l'expression, d'ailleurs un peu inconsciente des populations, que quelque chose ne tourne plus rond. Oui. Et cette quelque chose ne tourne plus rond, la manière dont on l'explique, c'est justement le fait de, nous avons changé. En gros, le moteur de nos changements, c'est nous-mêmes, en fait, et nos populations sont en train de changer et comprennent de manière relativement inconsciente, mais assez pragmatique, que ce changement nécessite, en fait, la récréation de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de développement. – Quelles pratiques ? Numériques Alors, la numérique, la révolution numérique est une révolution colossale, mais avant tout une révolution de moyens. Il ne faut pas, en fait, lui faire dire ce qu'elle ne peut pas, voudrait lui faire apporter ce qu'elle ne peut pas apporter. C'est une révolution de moyens, à savoir que, comme autrefois dans l'histoire, eh bien, ça va vous permettre, finalement, d'adresser le même besoin, des besoins qui existent aujourd'hui, mais avec un chemin différent. Donc, c'est d'abord une révolution d'entreprise. La machine à vapeur. Voilà, un peu. Un petit peu, c'est ça. D'ailleurs, par rapport à ces révolutions, vous faites passer, justement, la révolution démographique avant la révolution technologique. Et d'ailleurs, c'était un petit peu le propos inverse qu'on avait eu avec Vincent Held précédemment, qui faisait justement passer l'inverse, qui mettait la révolution technologique en amont de la révolution. Vous auriez dû faire organiser un débat. Ça aurait été au moins animé. La démographie. Oui, voilà. Non, la réalité, c'est que la révolution démographique est une révolution de débouchés. Donc, si vous connaissez un peu le monde entrepreneurial de chiffre d'affaires, la révolution numérique est une révolution de marge, de chemin, de moyens. Vous comprenez, c'est deux choses qui sont différentes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la révolution numérique change tout et ne change rien. Elle ne change rien quant à la taille du gâteau à se partager, globalement, qui est bien plus ancrée dans la notion de démographie. Par contre, elle va réinterroger ceux qui ont des positions dominantes. Donc, c'est une révolution, en réalité, de part de marché. Donc, imprévisible. Imprévisible, quand vous les connaissez, vous savez très bien ceux qui sauront en fait faire la révolution technologique et ceux qui n'y arriveront pas et tomberont. Donc demain, il y aura effectivement des grands acteurs qui aujourd'hui font figure de référence et qui tomberont. Mais comme à l'image de Kodak, dans une c'est modèle qui… – C'est emblématique. – C'est emblématique, mais c'est assez significatif. Ceux qui ne se saisiront pas de la révolution technique… – L'argentique qui n'a pas vu le numérique. – Absolument. – Oui, c'est… – Enfin, pas vu. C'est amusant quand on parle de photos, pas l'avoir vu. – C'est un peu ça. – Mais c'est bien. – Mais est-ce que ça implique un chômage massif ?– Malheureusement, j'aurais l'humilité de dire qu'il nous faudrait une émission complète pour pouvoir aborder cela. Mais en fait, la révolution numérique est une révolution de moyens qui change tout, mais ne change rien. Et donc, il ne faut pas vouloir. Et donc, la notion, en fait, de est-ce que ça peut amener du chômage de masse? Si c'est une révolution de moyens, elle est au service des hommes et des femmes qui nous faisons. C'est un choix politique. Ça revient en fait à des questions d'ordre politique et éthique. Il n'y a pas de fatalité à ce que ça remplace en fait l'homme ou la femme. C'est l'endroit en fait où on lui laissera s'exprimer. Donc ça peut être un plus. C'est éventuellement, même c'est probablement une révolution de part de marché. Donc des entreprises vont souffrir et d'autres vont en profiter. Et donc là, vous allez avoir une forme de magma. Mais c'est pas vraiment le sujet en fait. Donc la révolution numérique, on va le mettre de côté. C'est un outil. Et si on sait l'utiliser d'ailleurs à bon escient, elle peut participer de la solution, des modèles en fait qu'on pourrait implémenter. Deuxième point tout de même qu'il faut quand même noter dans ces tensions, il y a un autre vecteur de tension.
qui s'exprime à travers en fait les difficultés, enfin, je dirais la moindre acceptation des populations d'avoir ou de vivre dans des modèles de répartition de la richesse très inégalitaires. Ah oui, ça c'est un élément majeur, mais là aussi en fait qui n'est pas d'ordre conjoncturel. Parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que le modèle est plus inégalitaire qu'avant ? Regardez les statistiques, il est à peu près le même que dans les années 80, 90 et 2000, oui, ou 2010. Par rapport aux années 60, 70, le spectre des revenus était plus resserré. Mais bien sûr, le taux d'imposition marginale aux États-Unis en 60, c'était 92%. C'est 92%. Énorme, oui, considérable. Héritage, en fait, de la Grande Dépression. Absolument. Et d'ailleurs, parmi les 10 personnalités les plus populaires dans les années 60 aux États-Unis, vous aviez 5 patrons de syndicats. Donc, il faut faire toujours attention à ce qui paraît être le chancre de la financiarisation et du libéralisme, avait un profil très différent 60 ou 70 ans plus tard. Mais, d'entact, c'est moins le sujet. Le sujet, c'est de dire que finalement, dans un épisode, enfin, dans une projection récente, une trentaine d'années, les modèles ne sont pas plus inégalitaires qu'avant. Par contre, ils ne sont plus supportés. Vous savez pourquoi ? Alors, ça, c'est très net. Oui, bien sûr, et ça explique d'ailleurs les, en fait. Les gilets jaunes, etc. Oui, et puis même le sens des élections, en fait, pas que françaises, partout dans le monde, qui disent à peu près les mêmes choses. Pardon de vous interrompre, Bloomberg lui-même, enfin bon, le cabinet, mais Bloomberg, candidat contre Trump, a reconnu que, malgré tout, 1% des plus riches avaient encore gagné plus en 2019. Bien sûr, bien sûr. Non, mais évidemment, ça ne peut pas tenir, mais ça peut d'autant moins tenir que les gens ne l'acceptent plus. Et il y a des raisons en fait concrètes pour lesquelles en fait les gens ne l'acceptent plus. C'est qu'en fait, les modèles sont jamais bons ou mauvais. Ils sont adaptés à un moment. Et la réalité, c'est que pendant 30 ou 40 ans, nous étions, même si les taux de croissance n'étaient pas forcément toujours extraordinaires, dans des moments dans lesquels la croissance était là. La croissance était là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la taille du gâteau se partager augmente. Ben oui. Et si elle augmente, eh bien même si le modèle de répartition de la richesse est inégalitaire, vous êtes toujours en fait en situation de pouvoir être dans l'espoir d'en profiter. Eh bien, à partir de là, c'est pour ça que c'est assez amusant. Le même modèle, aussi inégalitaire soit-il, est accepté par moment. Et lorsque, par contre, il n'y a plus de croissance et que la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, il devient inacceptable. Oui. Et donc, encore une fois, la notion de croissance potentielle qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que notre avenir soit plutôt, n'aura plutôt autour de croissance zéro, eh bien, il est absolument urgent de prendre conscience que, du coup, les modèles d'avant, qui étaient soutenables et acceptables, ne le sont plus. Donc, il faut les acter. Donc, effectivement, il devient de moins en moins supportable qu'1%, et d'ailleurs, ce n'est pas 1%, c'est que 0,1%. Pardon. Oui, c'est 0,1%. Capte l'essentiel de leur richesse créée. Alors même qu'on pouvait avoir les mêmes proportions. Mais vous savez, voilà, une solution n'est jamais en soi bonne ou mauvaise. Elle est toujours adaptée à un moment, à l'environnement. Oui. Et aujourd'hui, l'environnement est en train de changer et rend en fait ces modèles assez inacceptables. Donc, alors, ça, c'est vraiment un point assez majeur. Comment remédier ? Peu de croissance, non-acceptation de l'écart de richesse. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites l'hélicoptère monétaire, vous distribuez du… Ah, – vous croyez au Père Noël ? Non. C'est bien les baby-boomers. Non, non, non. Je fais dire à mes invités, quelquefois… – Voilà, vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Bon, Donc non, l'hélicoptère monétaire, je ne crois pas que ça soit une solution, parce que ça ne change rien. – L'Europe y réfléchit quand même. – Oui. – Et elle expérimente là, en Estonie… Non, mais ça ne changera rien, parce que c'est un effet d'aubaine. Et puis, d'une certaine manière, ben oui, bien sûr, parce que vous allez donner de l'argent aux gens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Face, en fait, ils savent bien que c'est forcément ponctuel. Il y a quand même des raisonnements basiques. On sait bien que, voilà, l'argent qui arrive comme ça, sans avoir rien fait, qu'on vous met sur un compte en banque, ça ne peut pas légitimement, en fait, durer. Donc, les gens vont faire quoi ? Il y en a qui s'en accapotent très bien, vous le savez. On ne rentre pas dans ce débat. Mais globalement, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ? Ben, ils vont l'épargner. Donc, ça ne sert à rien. Tout simplement parce qu'en fait, le comportement de consommation, il traduit en fait à la fois un besoin et à la fois une capacité à se projeter. Et ce qu'on a évoqué là, c'est que l'évolution de nos populations fait qu'il est probable que ces rustines, finalement, face à nos problèmes, changent grand-chose. Encore une fois, on est dans l'adaptation de modèles et pas la recréation. Alors parlons en fait des modèles qu'on pourrait projeter. Pardon, la propension à épargner est d'autant plus forte. Et oui, suppose quand même que le revenu soit relativement élevé. Mmh. Donc si vous distribuez ça à des catégories, disons… lower classes, ça va être consommé. Enfin, en tout cas, une partie sera consommée, mais c'est un effet d'aubaine. Oui. Voilà, vous aurez augmenté finalement la taille de votre bilan et ça aurait été consommé l'espace du moment en fait où vous l'aurez distribué. Donc si vous faites cela, ben, vous le ferez pour toujours. Ouais. Donc c'est là où on peut s'interroger de la viabilité, je dirais, d'un mécanisme qui est un mécanisme artificiel qui vise à soutenir artificiellement en fait un pouvoir d'achat qu'on n'est pas en capacité de délivrer sur la base des modèles. Alors quelle solution ? Alors une politique sociale, mais ça dépend d'État.
Mais en fait, c'est vous qui proposez les solutions. Je vous pose la question. J'avais un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Pardon. Je plaisante. Oui, alors. Alors, je crois qu'il y a une dimension, en fait, qui était oubliée parce que un des parallèles, je dirais, avec les modèles qu'on a conçus, sont l'oubli probablement d'une dimension qui est une dimension cruciale, qui est celle de la géographie. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, nos modèles qui sont des modèles très concentrés, qui ont visé à faire quoi ? À concentrer, toujours plus concentrer, avec des mécanismes de concentration des entreprises les unes avec les autres, donc consolidation, jusqu'à ce qu'il n'y en ait d'ailleurs plus beaucoup au sommet. On est presque face à des trusts aujourd'hui. Ouais. Et ça nous ramène en fait à un temps passé, fin du 19e siècle, et d'ailleurs c'est amusant. Oui. Je rappellerai comme ça, sans détour, qu'en 1901, les États-Unis ont élu Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Dans le seul programme était « Je découperai les gros ». Donc à peu près celui de Mélenchon aujourd'hui. – À la suite de l'assassinat de McKinley par des anarchistes, il y a eu une très forte poussée anarchiste et contestatrice aux États-Unis en 1900. Hein. – C'est intéressant puisqu'effectivement la dernière décennie du 19e siècle ressemble beaucoup à notre époque puisque c'est une époque qui a été marqué par beaucoup d'investissements, beaucoup de métiers qui ont disparu, qui ont été réinventés par d'autres grâce à la technologie de l'époque, machine à vapeur, mais pas que, parce qu'une une révolution de transport doit toujours être adossée à une révolution de communication, donc télégraphe, etc. Donc on marquait en fait l'époque actuelle jusqu'au moment où tout le monde a été servi, ça débouchait sur de la tension politique, de la tension géopolitique, du terrorisme, à l'époque d'origine anarchiste, aujourd'hui on le vit autrement, et donc on débouchait sur un début du 20e siècle qui finalement est intéressant et peut être… – Et les robber barons, c'est-à-dire l'hyperclasse, qui était l'objet de toutes les détestations de l'opinion à l'époque. – Et qui aboutit justement à une lutte d'une décennie qui aboutira en 1911 aux lois antitrust où ils découperont véritablement les gros. Alors très bon exemple, comme ça, ça va me permettre de déboucher sur les modèles qu'on peut espérer. Donc si l'époque, l'histoire se répète rarement mais rime souvent, on va dire qu'on ressemble à la fin du 19e. Alors on a le choix de ne rien faire. Mais si on ne fait rien, on aboutira comme aux États-Unis à une rupture d'ordre politique qui sera probablement brutale et donc qui nous amènera vers une époque pas tendre avec deux pas en avant, un pas en arrière, avec une forme de brutalité, qu'elle soit d'ordre économique, social, etc. Donc ça, c'est le mécanisme. On prolonge, on refuse en fait de recréer, on essaye d'adapter les modèles, on essaye de faire rentrer un carré dans son rond. Voilà, on n'y arrive pas et ça finira par rompre. Ça, c'est finalement le choix américain de l'époque. Oui. Ce qui est intéressant, souvent on nous dit, ou on me dit, la France de toute façon ne sait pas se réformer. On ne sait que couper les têtes, il n'y a que comme ça qu'on arrive à recréer nos modèles. Eh bien, en réalité, c'est faux. Parce que, à la même époque, fin du 19e siècle, quelle était en fait la lumière dans le monde ? Dans quel pays la lumière est apparue ? Eh bien, la France. Parce qu'à l'époque, face à l'obsolescence de ces modèles, parce qu'on y lisait les mêmes troubles sociaux, terroristes, politiques, il y avait une crise anarchiste très forte. Et économique, ça a débouché sur quoi ? Loi 1901. Oui. Loi 1905. Comment s'organiser les agriculteurs ? C'est là où ont émergé les coopératives, les systèmes coopératifs. Comment s'organiser les agriculteurs pour répondre à l'obsolescence des modèles de financement de l'époque ? Les banques ne voulaient plus prêter. Crédit agricole, des entreprises en fait se sont organisées, les corporations se sont organisées pour financer leurs propres activités. Les mutuelles, les assureurs en fait naissent à cette époque-là. Ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est qu'en fait il n'y a jamais aucune fatalité. Si nous posons le bon diagnostic et nous marquons l'obsolescence de nos modèles, eh bien en fait nous pouvons en fait en recréer des nouveaux. Nous l'avons déjà fait, la France du coup à ce titre-là pourrait être une lumière pour le reste du monde parce qu'aujourd'hui personne ne l'a fait. – Et vous disiez, Pierre Sabatier, tout à l'heure, que ça serait bien l'Afrique qui fournirait la plus grande partie de cette révolution démographique. Comment est-ce que, en fait, de deux choses l'une, soit les flux migratoires continueront vers l'Europe et ailleurs, soit, vous le disiez dans une interview, soit les Africains trouveront des moyens de créer de la richesse et peut-être pourront s'appuyer sur ces leviers. Sur ces modèles que vous venez d'évoquer. Alors, sur le sujet, on va le mettre de côté, en étant très bref, parce que c'est un sujet énorme. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un sujet majeur. Imaginez que le Nigeria puisse supporter 800 millions de personnes en son sein. C'est juste pas possible, donc c'est pas sérieux. Il y a deux solutions. Soit les Africains, avec notre aide, ou tout seul en fait, créent les conditions d'une création de richesse suffisante et de la disparition de la corruption qui permet en fait aux Africains de vivre en Afrique de manière correcte.
soit ça générera en fait des tentatives de flux migratoires que de moins en moins les pays riches en fait supporteront. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Lorsque la taille du gâteau à se partager en interne augmente vite, à la limite, vous pouvez supporter des flux entrants, mais lorsqu'il n'augmente pas, vous les supportez de moins en moins. On peut dire que mécaniquement et théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire, mais socialement, ça ne sera pas acceptable. Et d'ailleurs, en fait, à l'image de l'Allemagne, certes, Merkel a fait rentrer un million de personnes, mais ça lui a coûté son poste. C'est-à-dire qu'en fait, attention, une solution actuelle, quelles conséquences? Et donc, imaginez qu'on puisse. Voilà. Donc, c'est un sujet majeur qui est un sujet de moyen-long terme, pas un sujet de court terme, mais vraiment un sujet majeur sur lequel il faut se pencher. Par contre, sur la notion en fait, de recréation de modèle, j'évoquais tout à l'heure la notion de géographie. Je crois que c'est assez crucial. Oui, c'est-à-dire que nous, les périphéries, en fait. Les périphéries, mais au-delà. Je crois qu'en fait, il faut bien comprendre que. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les Gilets jaunes, on le voit bien même pour les gens qui voudraient proposer en fait, des choses. Positive, en fait, aux Français, aux Italiens, aux Américains, aux Britanniques, aux Allemands, que les populations ne les croient plus. Et ça, c'est une forme, en fait, de conséquence de l'absence d'une politique de bonne distribution de l'activité sur l'ensemble du territoire, à force d'avoir institutionnalisé le départ de l'activité de grandes zones de notre pays, mais c'est vrai partout, hein, donc la France n'a pas le monopole, en fait, de la concentration et de l'hypermétropolisation. Ben, vous avez amené à quoi ? Avoir concentré en fait l'activité dans des grandes métropoles. Mais quand on dit concentrer l'activité, mais donc avoir aussi concentré les emplois qualifiés dans les grandes métropoles. Et avoir laissé quoi ailleurs ? Les emplois non qualifiés ? C'est-à-dire que toutes les locomotives sont parties. Et bien du coup, en fait, ces territoires-là sont vides. Sauf que nous vivons ensemble. Une société politique, ça veut dire vie de la cité. Donc ça sous-tend en fait un vivre ensemble accepté. Sauf que tant qu'on est dans l'adaptation de modèle, bon, finalement, on ne se rencontre plus, on ne se connaît plus, mais bon, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de grandes décisions à prendre. Mais à partir du moment où vous êtes face à la nécessité de recréer un modèle, il faut que le vivre ensemble soit accepté. Refaire nation. Oui, en tout cas, recréer le vivre ensemble. Oui. On y met les mots qu'on veut, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Et là, vous êtes face à un dilemme terrible, parce que vous avez en fait concentré des ghettos de wagons. D'un côté, et de l'autre côté, des ghettos de locomotives. Ce qui fait que le ghetto de wagon ne légitime plus le ghetto de locomotive pour prendre ses décisions pour lui, parce qu'il ne le croit plus quant à sa vraie volonté de défendre ses intérêts. Et même lorsque le ghetto de locomotive a la volonté de le faire, mais ils ne les connaissent plus. Et donc ils ne savent pas, en fait, finalement, les solutions qui seraient les meilleures et qui seraient les plus acceptables ou les plus utiles pour valoriser les qualités, en fait, du reste de la population. Ce qui fait que lorsqu'on projette un modèle, à ce stade, il n'y a pas d'autre solution pour nous de bien comprendre que la cohésion sociale naît de la cohésion territoriale, que l'avenir de nos territoires, d'ailleurs, ne passe pas par essayer de redonner de l'emploi aux gens non qualifiés dans ces zones-là. En fait, la réalité, c'est qu'il faut que le pays comprenne, et d'ailleurs la plupart des pays du monde comprennent, que l'urgence, c'est de recréer des emplois qualifiés partout là où il n'y en a pas, pour remettre des locomotives au milieu des wagons. Parce que des emplois qualifiés veut dire du pouvoir d'achat. Ces pouvoirs d'achat-là, en fait, ils peuvent être consommés en service. Et c'est grâce à cela qu'on peut, justement, répondre en fait aux besoins d'emploi, notamment de jeunes non qualifiés, parce que ces gens-là ne pourront pas faire autre chose que des métiers de service. Donc vous comprenez que la réalité, c'est qu'une des manières de recréer le vivre ensemble, c'est de faire comprendre aux gens que pour qu'on puisse faire société, eh bien, en fait, il faut partager quelque chose. On peut imaginer, on peut être utopiste, imaginer qu'on puisse tout partager. La réalité, c'est que la seule chose qu'on peut partager, quelle que soit sa classe sociale, c'est un lieu. Et à partir de là, si vous recréez des locomotives au milieu des wagons, eh bien, d'une certaine manière, la locomotive les connaît, donc elle prend ses décisions de manière différente par rapport au passé, et les wagons la relégitiment, puisqu'en fait, elle vit avec elle. Pas au quotidien, mais elle vit, en tout cas, elle partage quelque chose. Donc, et donc, sur cette base-là, vous pouvez créer, en fait, les bases et les conditions nécessaires à la réalisation d'un nouveau modèle qui, alors, après, on n'aura pas forcément le temps de le développer. Nous n'aurons pas le temps, mais vous reviendrez. Mais à vous entendre, nous avons compris que l'avenir est dans les territoires. Dans une certaine mesure. Enfin, le modèle doit se chercher dans les territoires. L'avenir doit trouver ses racines dans les territoires. Oui. Et alors, parce qu'on a évoqué, on finira là-dessus, la véritable révolution qu'a connue la France, en effet, autour de 1900-1910. Bon, elle a quand même inventé l'impôt sur le revenu à ce moment-là. C'était peut-être pas. Bon. C'est un outil, ça dépend en fait à qui vous le mettez. Bon, enfin, tout à l'heure, vous évoquiez en fait les États-Unis avec un taux marginal à 92%. Oui. Voilà. Mais ça dépend à quel niveau. Mais vous évoquiez les mutuelles, c'est très, très juste, les mutuelles, les coopératives agricoles, le crédit agricole. Sauf que. Et pas que les banques populaires aussi. Oui, les banques populaires, c'est vrai. Oui, sauf que tout ce petit monde est allé dans la galaxie mondiale et mondialiste et s'est financiarisé. Donc, leur intérêt à aller dans les territoires paraît pour l'instant assez problématique. Oh non. Non, pour bien connaître ces acteurs-là, non. Déjà,
les acteurs qu'on a évoqués, on ne va pas parler d'acteurs individuels parce que ça ne se fait pas, non. Mais non, ont quand même les deux pieds bien ancrés dans la terre, et à chaque fois qu'ils ont essayé justement de s'immiscer dans le grand monde financiarisé, ils ont plutôt pris des gadins que... Donc ils n'ont pas réussi. Ils auraient eu parfois des velléités d'y aller, mais en réalité, ils sont très tournés en fait vers le local. Et même ces acteurs-là ont déjà pris le pas. Hein. Non, ils ont compris, pour un certain nombre d'entre eux, jusque-là en fait, le modèle entrepreneurial, notamment, prenons celui de la banque, sans prendre des acteurs individuels, mais jusqu'à maintenant, leur seule arme pour se sauver, c'était quoi? C'était couper les coûts. Eh bien, un certain nombre d'acteurs ont compris qu'en réalité, se couper des coûts, et on va prendre un exemple bien précis, se couper des coûts était en réalité une idiotie. Une idiotie, pourquoi? Parce que ces acteurs ont une peur bleue de quoi? Bah de l'arrivée des GAFA, hein, des grands acteurs de la technologie dans ce monde-là. Vous comprenez, monsieur, si jamais les GAFA viennent, ils ont Facebook, ils ont l'analyse des données, donc ils vont mieux connaître notre client, ils vont connaître notre client, et donc globalement, ils vont pouvoir mieux les servir que nous. Incroyable quand même qu'une banque vous dise, vous avez des armées de gens sur le terrain. Oui. Une armée de gens, servez-vous-en pour justement être en capacité de savoir quels sont les besoins en fait de vos clients. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs ont compris qu'en réalité, le local, c'est une question, là aussi il faut faire quand même sa révolution intellectuelle, le local lorsque vous avez des gens sur les territoires, si vous les utilisez comme des sentinelles, eh bien en fait c'est un atout et pas un poids. Et cette révolution-là en fait, elle est en train d'être faite tout de même chez des acteurs privés parce que les entreprises, faut être clair, hein, une entreprise ça n'a pas le choix. Et vous êtes cohérent puisque vous vivez dans votre village natal. Oui, oui, mais attention, vous savez, on monte toutes thèses et démonte toutes thèses sur la base d'exemples, donc je ne m'en servirai pas. – Alors, donc, l'avenir est au territoire, eh bien… – Espérons-le, voilà, en tout cas. – Voilà, en tout cas, une parole d'espoir. – N'est-ce pas ?– Et on vous en remercie, Pierre Sabatier. Et merci, donc, il faudra revenir creuser toutes ces questions que nous avons évoquées, vérifier même si elles trouvent des commencements de vérification, après tout. Et donc… vous serez le bienvenu sur ce plateau. – Merci à vous. – Merci Pierre Sabatier. – Merci Pierre. Merci à vous Pierre Sabatier. Et chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, à très bientôt. –